Cyrillique et aussi en alphabet dans notre alphabet donc on apprend l'alphabet cyrillique un peu tous les jours. Ici c'est encore plus dégueulasse que dans les autres pays. Aujourd'hui on essaie de racoler avec la partie du programme en direction du nord de l'Europe pour rejoindre Belgrade, et du coup ce matin on est en pleine improvisation en fait. Ce matin c'est une matinée improvisée, on va aller voir quelques petits villages locaux. Donc ici on est à Mokragora, c'est une ville serbe qui a été refaite à l'identique ou conservée. Du coup c'est assez intéressant. C'est marqué plate de pain, mais ça dit un restaurant. On a vraiment l'impression de remonter dans le temps. Ça fait traditionnel, vieux, avec le train à côté. La Serbie par les petites routes à la con pendant 5 ou 6 heures là. Apparemment ils aiment beaucoup les virages en Serbie, il n'y a quasiment que ça. On est arrivé à Belgrade et on se trouve devant la cathédrale orthodoxe la plus grande du monde. Lorsqu'on visite un lieu, il est en travaux. On apprécie toujours. Tout est en travaux, c'est chiant. Toute la partie haute est en travaux. En revanche, il y a un sous-sol. Du coup, il y a seulement le sous-sol qui est ouvert. Mais rien que ça, déjà, c'est impressionnant. La chapelle Sixtine n'a qu'à bien se tenir.
cathédrale est tellement balèze qu'elle rentre même pas en entier dans mon cadre. J'arrive pas. Il faut que je recule. Quand je vous dis qu'on est toujours là où il y a des travaux, je mentais pas. Toujours des travaux. Bon voilà, la cathédrale Sainte-Sava, c'était la première étape de notre visite à Belgrade. Maintenant on va passer à l'hôtel et ensuite on fera tout ce qui est autour du vieux Belgrade, autour de la forteresse. À la confluence entre la Save et puis le Danube. Quand je disais que tous les trucs qu'on va voir sont en travaux, je mentais pas. Le Théâtre National est en travaux. On est encore tombé sur un hôtel qui nous a fait un faux plan, il n'était pas là. Donc on a attendu une bonne demi-heure avant de finalement se décider pour venir directement visiter Belgrade. Et ensuite retourner là-bas vers je sais pas, 21h, 22h, peut-être 23h, en espérant qu'il soit là-bas cette fois. Non. En travaux. Encore une fois, en travaux. Tout est en travaux. Le monument qui est derrière, c'est un hommage à l'aide française aux Serbes pendant la Première Guerre mondiale. Là, on le voit pas parce qu'elle est en travaux, comme d'habitude. Mais c'est marqué dessus « Aimons la France comme elle nous a aimés ». Tout à l'heure, quand on était sur la route, on est passé devant des terrains de basket qui étaient complètement sur la route en fait. Le panier est tourné vers la route. Les lignes du terrain sont tracées sur la route. C'est une route à 50, dans un tournant. Donc t'arrives en voiture à côté, il y a peut-être des gens qui jouent. Et voilà, en plein milieu de la route. Dans la forteresse de Belgrade, il y a aussi un musée de la guerre. Beaucoup de canons en l'occurrence. Beaucoup de pièces en tout genre, pas que de l'armée serbe. À la base on avait prévu de le faire, mais... Donc on a changé le programme, on est censé arriver plus tôt, mais c'est fermé alors qu'il est. Et voici un bateau pub. Bon ben, on est retourné à l'hôtel et la personne n'a pas répondu, il n'y a personne qui nous ouvre. Donc voilà, on est obligé de chercher un autre hôtel à 23h. Du coup on s'éloigne de Belgrade pour essayer de trouver un hôtel, c'est pas gagné. Bon, finalement on a réussi à trouver un hôtel pas loin de l'aéroport à côté de Belgrade. Alors, on va voir avec Booking que faire pour que les autres ne s'en sortent pas comme ça quoi, parce que c'est vraiment dégueulasse. Ils ont pas répondu, on a resté une demi-heure
quand on est arrivé à Belgrade, puis ensuite on est revenu, on est resté 10 minutes à sonner, il n'y a personne qui s'est montré, donc super quoi. Et donc aujourd'hui on est encore en Serbie, en Vojvodine cette fois, à Subotica, c'est la dernière étape de Serbie, et ensuite on passe en Hongrie.